YouTube. Alors c'est incroyable. Il se trouve que, bon, alors certes, on est vendredi, mais je viens d'ouvrir, voilà, le bras de fer. Et là, je découvre que Blizzard a recommencé. Ils avaient fait un bras de fer absolument incroyable où on choisissait juste deux cartes. Et ensuite, on avait 15 copies de chaque carte, et ça donnait des trucs très marrants. Et là, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent de faire la même chose, mais avec 3 cartes, donc 10 cartes chacune. Donc c'est super, on va pouvoir rigoler, ça va être marrant. Donc là, tout de suite, vous aurez peut-être compris, on part tout simplement sur un Druid Meul. Voilà, c'est parti. Sur un Druid Meul. Donc on l'avait fait avant avec Oracle, Innervation, ou Oracle et Naturalize. J'ai encore oublié, il a un nom tellement différent en anglais que j'oublie. Ah, on part sur probablement un Druid Meul en face. Donc là on va partir avec les 3 cartes. Bien. Alors, puisqu'on go first, on dégage ça et ça. Puisque là, ce qu'on veut, c'est des oracles pour meuler un max. Ok. Bon, c'est pas ouf. Au moins, tour 1, on peut jouer un oracle. Et ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Et puis, on a le Naturalize qui nous permettra de meuler. Ça va être bien, ça va être bien s'il joue en face. On rappelle que c'est un bras de fer. Et que tous les gens qui tryhardent les bras de fer sont des gros relous. Rappelons-le, c'est important. Ok, ça se barre mal. C'est mal barré. Bon. On a déjà 3 Naturalize sur 10. C'est un peu dommage, on va pas meuler tout de suite. Hein. C'est pas grave. Mais en tout cas, très content que Blizzard ait fait ce bras de fer. Ils ont eu une très bonne idée de le faire avec 3 cartes. Ok, donc on a un copain en face qui a eu plus ou moins la même idée. Ouais. La pièce. Ah non. Ouh là 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 là. Bon alors nous, les oracles ne veulent pas venir, apparemment. Hein. Ah, ça y est, quelle bonne nouvelle. 2, 4, 6, 8, 10. Bon, on perd une carte, mais lui, il va en perdre aussi. Hein. Il va en perdre aussi, oui. Allons culer. Ce n'est pas grave. Eh ben ouais, hein. On est toujours avantagé d'avoir la pièce dans ce genre de cas. Ouais, stop. Alors... Ok, c'est parti, on va pouvoir meuler. Bon, il faudrait choper un oracle. Voilà, c'est incroyable. On joue les oracles. Oui, monsieur. On va dire donc. Alors, vu le nombre de Naturalize qu'on a, on a quand même des chances de choper au moins une Innerve. God damn it! Fuck! Très bien, bon. Après, j'ai envie de dire, quand les statistiques sont contre nous, on peut pas faire grand-chose non plus. Hein. Bon, cet homme en face perd 3 cartes, tout comme nous. Honnêtement, j'aurais pas dû jouer l'oracle, j'aurais mieux fait de jouer beaucoup plus de Naturalize. Donc, j'ai certainement perdu cette partie. Mais on s'en bat les couilles. C'est un bras de fer, évidemment. Mais bon, j'ai envie de dire, pas de chance non plus, quoi. L'innervation qui ne vient pas. Là, c'est parti, le mec va me meuler dans tous les sens. C'est sûr qu'il a plein d'innervation. Et il va sortir une innerve, évidemment. Évidemment. L'avantage, le seul point positif, c'est que j'ai plein de Naturalize dans la main, donc peut-être et que je vais pouvoir le meuler un max, tout simplement. C'est ce que je voulais dire, puisque j'ai beaucoup de Naturalize. Mais ce qu'on va faire, c'est l'empêcher de nous faire Naturalize à nous un maximum de fois. Ok, il perd 2 oracles. Ça m'arrange pas spécialement. Mais bon. On n'est pas si mal que ça. Hein.
on commence. Il a déjà commencé la fatigue, pas nous. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se faire. En tout cas, c'est une très bonne idée. On va réfléchir dès maintenant au prochain deck qu'on va faire. Puisque, en fin de compte, on va gagner cette partie. Vous allez voir. Alors. Qu'est-ce qu'on. Quoique, en fait, on va peut-être perdre. Hein. En vrai, en fait, ça va mal se passer. Hein. Bon, on va voir. De toute façon, on peut rien faire de plus que ça. On finit le tour. Oh, il me reste un PV, c'est incroyable. Allez, j'ai gagné. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, mesdames, messieurs. Et c'est gagné. Voilà, et on a le paquet. Alors, on ouvre le paquet tout de suite. Et là, on a une petite légendaire, hein, c'est pour YouTube. Oh, j'ai deux paquets. Ah bon? Eh ben, on ouvre deux paquets. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oh. Oh. Incroyable. Alors, désolé, parce que avec mon micro de merde, j'ai dû vous péter les oreilles. Ah, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Ça casse les couilles. J'ai déjà Scénarius. Il me manque une tonne de légendaires. Et maintenant, les rares fois que j'en ai déjà. Bon, c'est pas grave. C'est quand même très bien. C'est quand même très sympa. Et là, une deuxième. Bien. Bon. Eh ben, on pourra décraft Scénarius. Un de ces jours. Voilà. Bien. Eh ben, on va partir sur une deuxième partie. Tout de suite. Ça, ça dégage. Confirme. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de marrant? Oh. Oh. J'ai une idée. Discard. Ouais. Et du coup, bah, on va le point de Jaraxxus en fait. Oh, je l'ai. Incroyable. Je pensais pas que je l'avais. Eh ben, c'est nickel. C'est nickel. C'est parti. C'est parti. Allez, on va piquer les culs là. Allez. Pas de temps de niaiser. En tout cas, merci Blizzard. Hein. Merci Blizzard. On vous aime. Allez, faut trouver. Vu quand ça met aussi longtemps de trouver des bras de fer, c'est quand même incroyable. Alors, je vais voir pour baisser un peu. Putain, les connards là, qui viennent sur ce bouc. Putain, pourquoi il est toujours aussi fort mon micro? Voilà, ça doit être mieux là. Ça doit être extrêmement moins gênant pour vous. Ok, et eh bah on va relancer. Ah mais en fait. Bon. Je suis en train de me dire qu'en fait, je vais défausser que 10 cartes. Donc ça ne fera jamais assez. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Là je pense que le son doit être. Ouais. Ça doit être bien plus qualitatif. Donc désolé pour cette baisse de son. En pleine vidéo, c'est complètement scandaleux de faire ça. Je suis un gros connard, mais c'est pas grave. Ok, alors là, je n'ai pas joué. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce truc de pute. Voilà. En fait, j'avais pas joué. Je n'avais pas joué ça parce que je voulais plus de chance. Ouais, voilà. Je ne voulais pas défausser un feu de lame. Je voulais avoir plus de chance. De bah voilà, je voulais pas qu'il se passe ce qui se passe. Si je jouais, j'avais beaucoup plus de chances de défausser un feu de lame. Alors que là, en attendant une carte de plus, j'avais moins de chances de défausser un feu de lame. Bon, là, on a pas de chance. On a eu une chance sur deux. Mais non.
Il y avait moins d'une chance sur deux qu'un feu de lame soit défaussé. Il a fallu 5. C'est bien malheureux. Et maintenant, c'est la merde. Ah, pas tant que ça, du coup. Bah, c'est incroyable. On est quand même bien heureux d'avoir un golem d'argenterie, je sais pas quoi. Qu'est-ce, merde. Ouais. Ah ouais, il joue ça. Ah, c'est marrant. C'est pas une mauvaise idée. C'est marrant comme idée. Bon alors évidemment, ok. Ok. Ok, c'est de la merde. C'est de la merde parce que dès qu'on a plus de feu de lame, ça ne marche plus. Je suis déçu. Vous voyez? Enfin non, vous voyez pas, mais... Vous entendez, je suis déçu. Bon, on va pas faire le même truc de mec de fils de pute, puisque faudrait être original. Faut que je trouve un truc stylé. Est-ce qu'on peut pas faire un truc stylé avec l'image? Non. Je suis tellement choqué. J'ai une vidéo. Quoi? J'ai une vidéo. Pardon. On va partir sur un guerrier taunt. Non, c'est de la merde aussi. Faut que je trouve une idée vite là. Faut que je trouve une idée vite. Faut que je trouve une idée vite. En fait, c'était plus marrant avec deux cartes. Il y avait plus de bonnes idées avec deux cartes. Là, oh non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Ouais. Alors on va essayer un truc. On va essayer ça. Ça. Et ça. Je suis sûr que c'est une bonne idée. Allez. C'est peut-être de la grosse merde, on va voir ça tout de suite. Bon déjà si on tombe en train de jungle, on a complètement perdu. Et puis après ça, bon, on finira la vidéo. Puisque, encore une fois, je ne veux pas que ce soit trop long. Donc après cette vidéo, après ça on s'arrêtera. Et comme j'ai moins d'idées avec 3 cartes, finalement en fait avec 3 cartes c'est moins marrant qu'avec 2. Ouais. Bon, mais écoutez, hop. Finalement, avec 3 cartes, c'est moins marrant qu'avec 2. Parce que il y a beaucoup plus de cartes qui combotaient avec juste 2 cartes qu'avec 3 cartes. Donc là, j'ai pas une tonne d'idées comme j'avais pu en avoir. Et puis, il y a plein de trucs qui marchent avec le mecha. Mais je trouve pas ça hilarant. Donc, vous faire 15 000 vidéos sur des mechas, c'est pas super intéressant. Donc, je vous ferai qu'une vidéo sur ce bras de fer. Qui est un petit peu moins bien que le premier finalement. J'étais content au départ, je me suis dit c'est vachement plus stylé. Mais finalement, bah, je trouve ça un petit peu moins bien. Voilà. Donc on va voir. Le problème de ma tactique, c'est que c'est quand même de la grosse merde. Puisque voilà, je ne peux rien faire. Donc c'est de la grosse merde. Ce que je viens de faire, c'est de la grosse merde en fait. Puisque je viens de me rappeler que ça, ça redonne pas un PV, ça donne 3. Je sais pas pourquoi dans ma tête, à cause du coup en mana, dans ma tête ça donnait 1 PV. Mais ce n'est pas le cas du tout. Donc c'est la merde. Je sais pas ce qu'il va faire. Il va me défoncer la gueule. Ouais.
Il va en remettre un. Ah, il met un totem. Oh bah non. C'est bien de la merde en tout cas, mon deck. Ah, je vous le dis, j'ai pas peur des mots, il pue du cul, hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est de la grosse merde. Oh, c'était une grosse idée de merde. Allez, quittez la vidéo maintenant. Regardez pas la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Voilà. C'est simple. Je vais couper maintenant en fait parce que ça va juste rajouter de la longueur de vidéo. Et c'est de la merde. Voilà. Et si vous n'êtes pas content, vous voulez la fin de la vidéo, mettez des pouces rouges. Voilà. Salut YouTube, à bientôt.